Tellement ébélé à Kolanda, solo la plus magazine Nabino Obo préféra avec un pacte paix idéologie Yamukola Lelo Yango et Bandi Mbote Nabino. Traditionnelle cérémonie, il y a échange de vœux, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki, ambassadeur accrédité dans la République démocratique du Congo et Zeraki, Mokolo Yalobi n'a parlé de la nation. Bonsoir, l'État. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux 2024, Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki Lobie, l'équipe, plus précisément Mokolo ya mardi 30 janvier 2024, na palais de la nation, face à ba diplomates accrédités na République démocratique du Congo, face à ba corps diplomatique, chef de l'État, Moukwan Tombolo Fatshi Béton, a tombola ki lisusu mongongo pona kotalisake. Tant que Rwanda a kokipaka kaka ata eteni ya mabele ya mboka Congo, dialogue moko ekosala makati. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC.
Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Na même occasion, Fumu Yamboka a plaidé pour une attention moko particulière na ba candidature Yamboka na ye République démocratique du Congo na Conseil de sécurité pe Conseil des droits de l'homme et organisation ya Nations Unies. J'aimerais rappeler les deux candidatures exprimées par la République démocratique du Congo, respectivement en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Candidature proposée par l'Union africaine pour la période 2026-2027 et celle de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2026. Tout en espérant le soutien de vos capitales respectives, je remercie à l'avance les pays membres pour l'attention qu'ils voudront bien porter à notre participation au système des Nations Unies. Et Sengeli Boye Baké, proposition, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Ezali Kovize pour nous renforcer rôle et organisation des Nations Unies en tant que garant de la kimia pe à sécurité mondiale en assurant représentation moko équitable dans les différentes régions du monde au sein du Conseil de sécurité. Hekejo. Bonne année 2024 à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Reçu en audience par Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gouverneur de la province, Yalualaba Fifi Masuka Saini Yasalaki, état des lieux et entité naïe. Retour en image. Basinyo nyo so ezalaki ouvert sur gestion ya province ya Lualaba pour la première audience na ye yane auprès ya chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gouverneur ya province ya Lualaba Fifi Masuka Saini asalelaki mokonzi ya mboka état de lieu global sur situation ya entité na ye. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de trois regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Na même occasion, gouverneur ya province ya Lualaba, Atalisaki, disponibilité na ye, et pas ya Mokonzi ya mboka Fatshi Béton Moukouan Tombolo pour na ko servir peuple congolais à travers deuxième mandat ya Félix Tshisekedi. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Ah oui, le peuple est d'abord Bouindé Zalaka. Kejo. Situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Vice-premier ministre, ministre ya défense nationale pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo ayambaki délégation ya Union européenne commentaire. J'ai bien dépassé une semaine à Goma pour partager avec les vice-premiers ministres mes impressions sur la situation dans le Nord Kivu et d'échanger sur des possibles pistes d'appui de la part de l'Union européenne
par rapport à la situation à l'est du pays. Et le vice-premier ministre m'a passé un message très clair aussi sur l'importance de poursuivre les efforts dans les programmes de désarmement et de réintégration des groupes armés. Et donc, je pars des ministères avec ces messages que je vais porter à mes autorités et je suis sûr que l'Union européenne pourrait accompagner ces efforts. L'Union européenne est derrière toutes les structures logistiques nécessaires, par exemple pour mener à bien les processus de Nairobi. Sur le processus de Luanda, je dois vous dire que pour le moment, le gouvernement angolais n'a pas demandé de cette assistance. Et nous essayons aussi de travailler avec d'autres partenaires pour renforcer l'appui que de l'extérieur nous pouvons donner à ces deux processus qui sont des processus vraiment ancrés dans la région. Et des partenaires comme nous ou des partenaires n'ont qu'à accompagner, pas de jouer un rôle actif. Nous comptons beaucoup après les élections, après la session d'investiture, avec tous ces chefs d'État qui étaient autour du président Tshisekedi, voir les ministres, les chefs de l'État du Kenya ou les chefs de l'État de l'Angola aussi faire partie de toutes ces cérémonies. On attend beaucoup. Et de la part de l'Union européenne, si ces efforts de dialogue régionaux rendent des fruits, ça sera beaucoup plus facile que nous renforçons aussi notre appui à tous ces efforts en faveur de la paix. Mais on espère bien. Et nous savons qu'il y a des discussions qui sont en cours. Et de nouveau, nous encourageons de nouveau après la bataille électorale. Et c'est comme ça que le chef de l'État me l'a transmis. On attend bien un effort supplémentaire en faveur de ce dialogue et qui puisse assurer l'instabilité dans ces régions, d'un autre côté très riche et très nécessaire aussi pour vous en tant qu'Afrique centrale, mais pour nous tous en tant que partenaires de ces régions. Nous avons évoqué bien sûr le partenariat bilatéral qui existe en matière de défense entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Nous avons encore renforcé ce partenariat. Nous sommes présents avec des formations, avec un appui. Nous allons aussi soutenir l'académie militaire des officiers. Nous avons un partenariat aussi avec des équipes dans le domaine de la santé, donc la formation avec les différentes écoles, etc. Donc c'est vraiment un partenariat multiple, une grande coopération entre les deux pays qui est florissante. Mais on serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche beaucoup pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes. Donc on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire contre les agressions extérieures et contre l'insécurité qui règne. Donc c'est vrai que ça nous touche beaucoup et on échange avec le vice-premier ministre sur la situation à l'Est et ce que la RDC est en train de faire, l'arrivée aussi des forces de la SADC qui sont sur le territoire maintenant et tout le programme de désarmement, le PDDRCS. Donc l'idée, c'est de pouvoir enfin désarmer tous ces groupes, les réinsérer dans la société et que tout le monde puisse se développer et vivre une vie paisible en toute sécurité. Ce qui est allé et taille à venir pour Kassa, modèle et bébé libre, comme un fiston perro, à ça qui constate pour les binômes. Abandonné na triste peu propre sur Nango depuis un certain temps, Eta ya veni Bokassa et komi ko inquiété population nandenga ya kosakanate bino mokobota la penza modèle a veni Bokassa et komeli nzela ya malonga ezali susute mituka ebele kutu et koma nango ko éviter ko leka awa ba mai parsi par là mabulu kutu n'en parlons pas. Et bon, ce que tali niveau baka niveau et comme la bouche salité nde salité bon sotona ndenge ko sakanate conséquence mituka ebele ya transport et comme kalisusu na ba terminus te ba mama oyo ba kenda kazando ba koma obligé ya ko beta makolo tina ko bimata na station oyo ezalaka entre croisement Bokassa pe Kabambar yoka communication et salamaki.
Moko parmi ba chauffeur oyo ba continue ka kosala na axe oyo alobaki boye tangu amonaki mikro na biso papa nzela oyo banda balaka biso ba kosala ngo banda balaka biso ko banda zigida tiko koma ka bambanga ezaka ba kosala ba kosala ba kosala nzela zake ndomoni kuna za fofile nzela ko fofile nena ko oni na ko oyo za ka niveau ka niveau zipama so bimisu na ka bambanga boye a kutu mo apie so bimisu na ka bambanga boye ya mabulu ne mabulu ne bitse ko ba mama ne ba gena ko teka bongo biso to ndokoma kuna ne poto zwa ba mama ba zonga ka ndako Toto bomba ba tsa o sa senga tso de sa bo ba ke kongola za mtema be ya kongola mtema be tse to tota la difficulté nzela ndeza ela nzela za mabe ya mwa to macha ba transport mo konza bo nzela biso nzela c'est tout papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence a wana nous to bengi yo 3 fois te kasi yoka kolela ya population o ba lekaka awa ba sengi ki o bwa kalisu na veni bokasa ata salongo ya pamba Isala makati, salite, likolo ya salite, likolo nango, baksa disusu mabulu. Nzela, impraticable, nandenge ya kusakanati. Ea nini? Nabokasi ya mukwa ntombolo, fachi beton, EP5 lufungula, ilati lele ya sika, reportage. Fachi beton en avant consolidation ya bakinde makambu misala ezali komona na ndenge kaka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesa ki instruction pona kotonga ba école o ezwami na kati ya ba corps militaire pe policier ndenge kaka ezali kosalama lobele ki na kombo ya Fachi beton ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique a kitaki na kanlu fungula esika wapi a procédé à l'inauguration ya EP5 Lufungula Bolanda. Nous venons d'inaugurer cette école primaire au camp Lufungula, après celle du camp Force Navale. Le président de la République avait instruit que nous puissions réhabiliter toutes les écoles qui se trouvent dans les camps militaires et des policiers et en construire pour des camps qui en manquaient ou qui en manquent jusqu'ici. Cette cérémonie s'inscrit également dans le cadre de la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République. Parmi les acquis, vous avez dans notre sous-secteur de l'EPST la gratuité de l'enseignement. Dans le cadre de faire face à ces effets induits, il faut construire de nouvelles infrastructures scolaires pour régler les problèmes de surpeuplement des classes. Vous l'avez dit, il y a quelques mois, nous étions ici. Il n'y avait pas d'école ici. S'il faut parler d'école, selon les normes, il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y avait ni arrêté qui créait ou qui autorisait son fonctionnement, encore moins des enseignants qui étaient pris en charge. Aujourd'hui, chose faite, nous rendons hommage au chef de l'État que cette école vient d'être réhabilitée. Elle a été finalement créée, mécanisée et payée. Aujourd'hui, les enfants des policiers du camp de Fungula peuvent étudier dans de meilleures conditions. Et cette école s'inscrit désormais
sur la liste des écoles de référence de la ville de Kinshasa, bien que se trouvant au camp militaire. Cette école, y compris celle du camp Force Navale et d'autres que nous allons inaugurer toujours cette semaine et la semaine qui va suivre, a été réhabilitée avec les moyens propres du ministère de l'EPST. Quand je dis moyens propres, c'est les frais de fonctionnement que nous accordons à une de nos directions, appelée Direction des infrastructures scolaires, qui a la mission d'entretenir, de construire et de réhabiliter des infrastructures scolaires. C'est cette direction qui a réalisé cette œuvre à moindre coût. On n'a pas fait un appel d'offres ni public ni restreint. Et je vous assure que avec peu de frais, on a réussi à réaliser cette œuvre. Il y a quelques mois, lorsqu'on est passé ici, il n'y avait rien. Mais ces enfants baignaient dans la boue ici, avec les enseignants qui n'étaient pas payés. Et il n'y avait pas eu débat. Et maintenant qu'on vient de réhabiliter, avec des bâtiments pimpants neufs, des latrines propres aux élèves, des latrines propres aux enseignants, vous avez un bureau administratif pour les enseignants et on engage un débat. C'est de la mauvaise foi. Ah oui, Binonde Tembe, Fachi Misala, Kaka Nengemu Kwantombolo Alobaki, faire de l'éducation une priorité, ma preuve, Yangoyo. Yankejo! Mikoloz ali kuluna yeba keso hiba kangiyo rokende ko samba na tribunal ya garnison militaire ezali maloba ya vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires, coutumière. Commentaire. Bazala ki plus de 60 ya ko samba liboso ya batu ya mibeko, tribunal militaire ya garnison Kinshasa Gombe, bafongola ki lobby eleki, audience publique contre groupe ya ba présumé bandi urbain, oyo ba bengaka communément awa na Kinshasa, bakuluna na audience oyo salamaki na kati ya vice primature ya intérieur na immeuble territorial, bakuluna oyo ba yebani pona ba axe na bango ya violence, vol, pe intimidation na ba quartier urbain, bango ba ciblaka souvent ba habitants les plus vulnérables, pe ba créaka climat insécurité na ba communauté. Esengeli boye ba ke tribunal militaire a déployé qui ba moyen ya sécurité important pour na audience oyo afin ya ko assurer tenir ya procès moko équitable pe transparent. Ba présumé kuluna oyo bazali accusé na ba crime ebélé, notamment vol à main armée, ba agression pe ba meurtre. Ba famille ya ba victime pe ba résident ya ba quartier touché ba exprimer ki soutien na bango na procès oyo pe ba zali ko espérer que justice et ko sala musa nango kitoko pe ba zali ko souhaiter que ba criminel oyo ba zala sévèrement jugé pe que ba mesure ezoma pour na ko prévenir contre ba futur acte ya banditisme. À l'instant, République démocratique du Congo est allée confronter na ba défi ebélé en termes de sécurité et lutte contre banditisme urbain au Zali priorité. Dossier à suivre. Population ya quartier Mombele na commune ya Limete ebélé bazali ko sokolaté pour mai ezaté. Fiston Perro a sa ki constat pour le bino. Tozali en plein capital, ya République démocratique du Congo plus précisément na quartier Mombele na commune Limete et Sikawapi depuis quelques jours, mai ya régie des eaux ezali susku bimate partout na ba robinet, situation invivable pour na population ya quartier Mombele oyo ba komi ko ya kotoka mai awa na se ya pont Tabulei Rochero ndenge kaka bozali komona boye. Awa pe esika bazali kotoka mai yango ezali robinet kasi
tio ya monene ya régie des eaux et toboka ezali tio e servaka de relais ya mayi entre quartier Mombele na commune limité pe commune Yangaba ya pasi ezali susuke esika yango bazali koya kotoka mayi salité etonda na ndenga kosakana te rivière moko eleka wana bosoto nyonso ezali kobima wana il faut kolukela yango kombo yoka communication. Directeur général ya régie des eaux papa Awa na mato ya population balobi bakobenga yo mbala misatu te kasi lukande solution pona population ya quartier Mombele na commune limité yo moko zali komona ba condition nini bazali kotokela mayi Awa sikoyo imagine sorte nini ya ba maladie ekobimile isika oyo po bosoto izali a la portée na bango koka mwe Désigné homme du match lors de la confrontation RDC na Égypte, gardien de but congolais Lionel Passi Nzau
azongeli bine ya penalty boka makambo lubaki. Gardien de but ya ba Léopards de la République démocratique du Congo, Lionel Mpasi Nzau, désigné l'homme du match lors de la rencontre face à Pharaon et Égypte, a betaki lisolo façon nini tir victorieux na ye et memaki République démocratique du Congo na quart de finale. Alors racontez-nous, parce que c'est pas habituel que les gardiens tirent non pas en extrémité, vous êtes tiré en 8 ou 9e, donc avant la fin. C'est parce que vous étiez entraîné, vous étiez prêt à... Bah on a beaucoup bossé les séances de tir au but là depuis 2-3 jours à l'entraînement. Je savais que si je devais y aller, il fallait que je sois prêt. J'avais raté en plus mon premier pénalty à l'entraînement. Mais quand je vois Gabaski tire, on se regarde pas mal dans les yeux. Je vois qu'il a un peu de nervosité dans son regard. Du coup, j'essaie de le sortir du contexte et il la met au-dessus. Et une fois que je pose le ballon, j'essaie de rester le plus calme possible et penser à mon dernier pénalty que j'ai tiré à l'entraînement. Pardon. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé, c'est cool. Et Sengel Boye Bake ba qualifié nyonso pour la quart de finale et si ba yebani en ce qui concerne ba Léopards ya République démocratique du Congo, rendez-vous ezwami pona mokolo ya vendredi 2 février à partir ya 21h heure ya Kinshasa contre formation ya Guinée Conakry. Dossier à suivre. Avec le gardien ivoirien qui donne la victoire. Passé chute, la RDC est qualifiée, bravo, c'est exceptionnel. Bama tabaki tababa lukala mabele, boyebi ke na prefera bino edisyon mokola lele komina suka botika. To souhaite joyeux anniversaire na Piero et Bende Ouattara Obiang, les aliko yinda mabe. Mokola lele champagne, les aliko milama, loko la mwana moussala bo sepe la gina ba image, vous pesa merci. Nani dabaku, azalaki na sima ya kamera, montage sima maki. Najadeon Luputu, réalisation na Israël Mbouyi, champion play, yebon régie finale. Et si mamaki na misapi ya wolo, ya ingénieur Mike Yann Moulambape, direction technique, Izalaki, assuré na Stéphane Okunji. Tokuta Nglobi. <t'->